Chère Balnéolaise et chers Balnéolais, à quelques heures de la nouvelle année, je veux bien sûr vous présenter mes meilleurs vœux pour 2021 et avant tout une bonne santé. L'année qui s'achève aura été bien difficile pour toutes et tous. Nous avons vu à quel point être en bonne santé est important. À cet instant, j'ai bien sûr une pensée pour celles et ceux d'entre vous touchés directement par la maladie. Je remercie aussi nos soignants qui auraient bien besoin que leur engagement soit reconnu à sa juste valeur. La santé, votre santé, est notre bien le plus précieux. Nous devons tout faire pour la protéger. Pendant cette période, la municipalité a tenu à favoriser l'écoute et la solidarité, notamment des plus isolés, d'autant que la situation économique et sociale s'est dégradée pour nombre de balnéolaises et balnéolais. Chaque semaine, grâce à notre service public communal, grâce aussi à des dizaines de bénévoles, nous prenons ainsi des nouvelles des personnes âgées. Nous avons aussi accompagné nos pharmacies que je remercie pour faire des tests à plus grande échelle. Les associations caritatives ont également été à vos côtés et jouent un rôle précieux. Je mesure combien les acteurs de la culture, les acteurs du sport, de l'éducation ont été touchés de plein fouet par cette situation. Je sais aussi que nos commerces de proximité ont dû faire face à des situations difficiles. En 2021, le virus ne va pas disparaître par magie. Il nous faudra continuer à nous protéger. Pour autant, la ville va continuer à se développer et je souhaite que cette dynamique profite à toutes et tous. Nous accueillerons enfin le terminus de la ligne 4 autour de la station Lucie-Aubrac. Notre projet de lycée va continuer à avancer. Vous y serez pleinement associés, comme à tout ce qui touche à votre quotidien. Comme je m'y suis engagée en mars dernier avec la nouvelle équipe municipale, je tiens à ce que Bagneux redouble d'efforts et d'inventivité pour la protection de notre environnement, pour la qualité de notre cadre de vie, pour une ville humaine et solidaire. Je vous renouvelle mes vœux de bonne année en espérant que les prochains mois nous permettront de retrouver des moments de convivialité partagés.